Bon Dieu! Regardez-les! William? Bienvenue sur le terrain, docteur. Merci, William. J'ai hâte de voir ce que contient cette tour et d'étudier les communications de mosaïque de près. Restez derrière moi. On ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un d'autre. Croyez-moi, je n'ai nullement l'intention de vous gêner. N'oubliez pas de baisser la tête, docteur. D'accord. Je baisse la tête et vous les empêchez de me l'arracher. À quoi peut-on s'attendre dans la tour? La tour est entièrement contrôlée par Mosaïque, mais je pense pouvoir m'interfacer. C'est plus une communication, d'ailleurs. Comment formuler ça? Mosaïque parlera à qui veut l'écouter. Vous en parlez comme si c'était vivant. En un sens, ça l'est. Ça n'est pas conscient, mais ça possède une intelligence artificielle très complexe, liant son comportement à quiconque transmet les ordres appropriés au réseau. Intelligence? Ça peut penser? Dans les limites de sa programmation, oui. Mosaïque n'est qu'une machine, mais d'une complexité absolument fascinante. Comment on entre? C'est sans garantie, mais après avoir étudié Mosaïque, je crois pouvoir m'y brancher. Peut-être même prendre le contrôle de quelques systèmes. Si vous vous trompez, le voyage sera de courte durée. Si je me trompe, j'aurai travaillé 10 ans pour rien. Et les hypnotiser? Aucune idée. Des forçats, peut-être? De la rééducation? Toutes les éventualités sont déplaisantes. Parfait. Je vais devoir jouer les nounous pour vous là-dedans. Sachez une chose, j'ai combattu dans le Pacifique. J'étais dans la 9e quand on a libéré Bornéo. Je sais parfaitement tenir un fusil. Bon, tant mieux. Mais restez derrière moi. Vous êtes en soutien, pas en pointe. C'était bien mon intention. On doit trouver un transpondeur et repartir. Vous êtes certain de pouvoir le localiser? On sait que Mosaïque relaie ses communications par un portail VEN situé dans cette tour. Si l'on en croit l'infiltré, on devrait pouvoir extraire un transpondeur d'un des vaisseaux. S'il a dit la vérité... Quand j'aurai trouvé un terminal, je pourrai abaisser les défenses assez longtemps pour que vous trouviez le portail et capturiez un transpondeur. Enfin, si j'ai bien compris les protocoles de Mosaïque. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous, Doc. Aucune science n'est parfaite, Carter. Ça promet. En route. Allez, William. Restez. Allez, William. Allez, William. Attention! Continuons à avancer. L'équipe de Da Silva est passée par ici. On est... Non.
Notre équipe n'a pas réussi à aller plus loin. Soyez sur vos gardes. Est-ce que... Redmond et Kinney, ils se sont battus jusqu'au bout. Bon sang. Ils méritaient mieux. Deux morts et un infecté. Ces salauds vont payer. Ça ressemble à la barrière défensive. À vous de jouer, docteur. Ne nous décevez pas. Par ici, je crois. Un instant. Je me connecte à Mosaïque. On va bien voir. On a de la visite! Protégez le docteur! Ça y est. Les fonctions correspondent aux phonèmes. Ça ressemble plutôt à une conversation, en fait. J'ai presque convaincu Mosaïque. Dépêchez-vous, Doc! C'était le dernier! Voilà! Je serais presque... Tenté de dire que Mosaïque cherche à nous aider. Gardez-nous la porte ouverte, on repartira à fond de train. Hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Docteur, les hypnotisés sont sur une sorte de chaîne d'assemblage. Vous pouvez arrêter ce truc? Je crains que non. Ce système est sécurisé. Mosaïque se mettrait en colère. Je me fous de ce que veut Mosaïque. Vous pouvez l'arrêter? Le simple fait d'essayer déclencherait l'alarme dans toute la tour. Bon sang, on a perdu la ville, nos soldats, et voilà maintenant qu'on perd la population. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Trouver ce traceur de phase afin de pouvoir riposter. Et d'éviter qu'il arrive la même chose qu'ici, dans le monde entier. Ouais, vous avez raison, Doc. Il faut rester concentré. Ça va aller, Carter. On a tous foi en vous. Qu'on a trouvé un des trucs avec lesquels ils ont attaqué Groom Range. Incroyable. D'après Mosaïque, toute la tour a poussé à partir de cette seule source d'énergie. Et elle en produit d'autres. Alors ils ont l'intention de construire d'autres tours. Qu'est-ce qu'on cherche, docteur? Mosaïque dit qu'il y a un projecteur de matière capable de vous amener plus loin. Vous voulez dire un genre d'ascenseur? D'une certaine manière. Prenez place sur la plateforme circulaire et appuyez sur le bouton. Où on est, Doc? Le ciel soit loué. Vous êtes au niveau d'amarrage, environ à mi-hauteur de la tour. Ne regardez pas en bas.
suffit de franchir ce pont. Ils sont remplis d'hypnotisés. Peut-être qu'ils les emmènent chez eux. Ça fait froid dans le dos. Dites-moi que vous pouvez les en empêcher. Peu importe comment. Désolé, Carter. Mosaïque refuse de me laisser agir. Bon sang. Il a fait ce qu'il pouvait pour sauver sa ville, mais a fini ici.
en silence. En mouvement. Cours. Un abri, là-bas. En avant! Reçu! Déplacement! Faut se planquer! Déplacement! D'accord, Mosaïk dit que vous êtes en sûreté. Le portail est de l'autre côté. Vite, avant que d'autres ne se pointent.
sont que la première étape. Une fois construites, l'invasion ne sera qu'une question d'heure. Je suis au portail Ven. Indiquez-moi le transpondeur qu'on fiche le camp d'ici. Le transpondeur est prêt à être récupéré. Compris. Désolé, je vous rappelle. Désaccouplez le transpondeur et soyez prêt à filer. Barnes, préparez le Skyranger. Il va falloir... Les téléporteurs transcendants sont coupés. Je ne peux rien. Vous n'avez plus d'endroit où vous enfuir. Sortez de là. J'ai quelque chose à vous montrer. Pourquoi tenter de fuir l'inévitable? Qui est là? Dans votre langue, mon nom se réveille comme Axis. Malgré ce que vous pensez, je ne suis pas votre ennemi. Va dire ça à tes soldats. Je ne serai jamais ton esclave. Je regrette que vous voyez les choses ainsi. Barnes, on est là, au sommet de la tour. Vous pensez pouvoir arrêter notre invasion? Vous ne pouvez même pas vous enfuir.
Montre-toi, Axis. Si vous viendrez à moi, le moment venu, prisonnier. Montre-toi, putain de trouillard. Ça me plaît pas du tout. À couvert, vite! Si vous ne comprenez que la force... Mon Dieu, vous avez vu ça? Changez d'abri! On ne résistera pas à un tir direct de cette chose! On ne peut pas se cacher! Il faut le détruire! Vite! Votre résistance serait stimulante si elle avait la moindre chance. Épargnez-vous les souffrances. J'ai été touché. Passez derrière ça. Des stimulants. Je peux pas me relever. Essayons. Toujours là, Axis. Tout ça pour détruire les meubles de mon petit vaisseau. Je vous laisse réfléchir à vos chances face à un engin plus puissant. Répète, vous m'entendez? Barnes, venez nous chercher. Vite. Bon Dieu, vous êtes en vie. J'arrive. Dépêchons-nous de filer d'ici. Carter. Votre équipe a réussi. Ouais, d'accord, mais à quel prix? Ce sont eux qui gagnent, Doc. Mais grâce au transpondeur que vous leur avez pris, on va pouvoir riposter. Cette tour envoie toujours des gens de l'autre côté. En faisant vite, on peut lancer une opération de sauvetage. Vous voulez bien me dire ce qui se passe ici? J'ai demandé au labo un test afin de débusquer les infiltrés. Tous ceux qui entrent et sortent de la base doivent s'y soumettre. Mettez-les en quarantaine. Dommage pour Da Silva, hein, Folk? A isolé l'un des ordres impératifs de Mosaic. Pour les humains, ce n'est que du bruit. Mais pour un xénon, c'est beaucoup plus. Allez-y, docteur. Il réagit. Plus fort. Je suis William Carter. William Carter. Agent Carter, désolé d'avoir à vous annoncer ça, mais... Où est Julia? Pendant votre absence, il y a eu un accident. Quoi? Foutaise, quel accident? Un incendie dans votre maison d'Arlington. Julia.
FBI Richard. Il n'a plus service. Vous êtes sous, entrez chez vous. Julia, enterré sans que je puisse leur dire adieu. C'est votre troisième conseil de discipline, agent. Oui. Lâchez-moi. Ça m'a eu, Will. Je veux les aider. Papa. Lâchez-moi. Ah, vous vous réveillez ? Ouais. Et il est convaincu que je suis humain maintenant ? Vous êtes en vie, non ? On dirait bien. Eh bien, vous devriez vous remettre. Le directeur a donné l'ordre de vous conduire à lui dès votre réveil. Ne le faites pas attendre. Le bouclage élevé. La belle affaire. Je ne vois pas la différence. Une autre information. Il faut qu'on discute de votre test. Je peux vous dire un mot ? Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé lors de votre dépistage, William. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs champs pour l'instant. Cet homme a été infecté. Ça ne s'était encore jamais produit dans la base. Ou alors, c'est un autre effet inattendu de votre test, Doc. Nine, je suis certain que l'origine est extérieure. Mais j'ai besoin de votre aide pour la découvrir, sans créer de panique. Vous avez dit que le bruit pendant le test provenait de Mosaïque. Comment avez-vous découvert ça ? Le docteur Vire a examiné l'appareil ôté à l'infiltré qu'on a capturé. Il semble que ce soit grâce à lui qu'ils reçoivent leurs ordres de Mosaïque. Alors ils sont radiocommandés ? Pas vraiment. Mais cela semble leur fournir une liaison subconsciente avec leur hiérarchie. Et vous avez utilisé l'ordre d'attaquer. Vous n'avez rien trouvé de moins dangereux comme... danser ? Notre contrôle est trop primitif pour des ordres spécifiques, seulement des réactions. Et la violence est une réaction très courante, William. Pendant le test, j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser. Vous savez ce qui a pu se passer ? Je n'en ai aucune idée. C'était peut-être une sorte de résonance de votre exposition antérieure à l'artefact. Dites-moi, qu'avez-vous ressenti ? C'était comme si quelqu'un cherchait à sortir de mon crâne à coups de marteau. J'ai eu du mal à rester conscient. Oui, et vous avez dit quelque chose. Votre nom, peut-être votre grade aussi. Aucun souvenir. Pendant quelques secondes, j'ai baigné dans un brouillard rouge. Eh bien, je suis heureux que vous soyez de retour, mon ami. Cet agent devient un hypnotisé et je connais la suite. Si vous ne trouvez pas de remède, je ne vois pas comment vous allez nous aider. Ce n'est pas un remède, mais peut-être un premier pas. De quoi s'agit-il ? J'ai découvert le moyen de détecter l'infection de l'hypnose à un stade précoce, avant les symptômes. Cela permettra de traiter les sujets plus tôt, ou au moins de mieux comprendre le processus de conversion. Un autre test, docteur ? N'ayez crainte, William. Cette fois, c'est vous qui mènerez le test. Et discrètement, si c'est possible. Mieux vaut éviter la peur de l'infection. Exactement. Par chance, le détecteur repère les infectés dans un vaste rayon. Tenez, vérifiez les opérations, l'ingénierie, le labo principal, la salle de briefing et le hangar. Ça devrait couvrir toute la base. Et si je trouve d'autres infectés ? Envoyez-les au docteur Hara. Je vous retrouverai là-bas. Peut-être pourrons-nous les aider. Je vais y aller. Entendu. Mais si vous le souhaitez, j'ai des expériences que j'aimerais mener sur... Non. Je vais chercher les infectés, mais j'ai suffisamment joué les cobayes pour aujourd'hui, Doc.
Je le tiens presque, Myron. Il est tout prêt. Confiez-moi cette mission et je vous apporterai sa tête sur un plateau d'argent. On envoie Carter aux trousses d'Axis. C'est son boulot. Alors envoyez-nous tous les deux. Personne n'ira nulle part avant qu'on sache chercher. Agent Weaver, je sais pourquoi vous voulez retrouver Axis. Mais je ne peux pas laisser un intérêt personnel s'immiscer dans cette mission. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous voilà. L'agent Weaver sait qu'Axis est dans le nord-ouest du pays. L'Oregon. Sa base est dans l'Oregon. Je vous charge tous les deux de réduire la zone de recherche à une région plus petite qu'un état. Il faut qu'on parle, Carter. Angie, agent Weaver. C'est bon, Will. Comment vous sentez-vous ? Comme une bouse écrasée. Mais je suis toujours là. Bien. On est sur une piste. Plus vite on trouvera Axis, plus vite ce sera réglé. Là, je suis bien d'accord. Vous dites qu'il est dans l'Oregon. Vous en savez un peu plus ? J'ai pisté Axis dans le sud-ouest de l'Oregon. Un endroit isolé. Le sud-ouest de l'Oregon n'est qu'un vaste bled. C'est une région très boisée. Assez pour qu'Axis puisse s'y cacher. Mais j'ai trouvé quelque chose. Des signaux radio. Et ils viennent pas de nous ? Non, j'ai vérifié. Et Weir l'a confirmé. Ces émissions ne sont pas humaines. Ce que j'ai pu traduire parle souvent d'Axis. Je pense qu'ils ont une sorte de complexe là-bas. On ne peut pas dire que ça nous renseigne beaucoup. Pas étonnant que le vieux ait refusé de vous envoyer sur place. Je ne vous vois pas remonter seul jusqu'à Axis. Essayez donc de glaner des informations. L'opératrice Chulski serait ravie de votre visite. Moi, j'irai voir les analystes. Retrouvez-moi au bureau de Falk quand vous aurez fini.